Monsieur fait mal. Cogner le coup de calcarrière. Aïe, ils n'ont pas de carrière là-dessus, moi, là. Je pensais que mon coude était prêt à frapper n'importe qui, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de frapper n'importe quoi. Je suis heureux de vous rencontrer. Non, je vous ai rencontré simplement. Et depuis ce temps-là, vous arrêtez pas de rire de moi. Mon chemin est long, l'émission aussi. Je suis content de vous voir. Je nous souhaite que ça se communique à travers les ondes. C'est les ondes, ça, ou une mouche tsé-tsé. Non, ça, c'est tsé-tsé veut dire. Ouais, québécois, c'était se promène avec la calotte à l'envers. Là. Ouais. On a encore des calottes à l'envers. Ouais, hey, écoute, on va te placer du 4x4 plaqué, là, comme tu l'as été par ta femme. Plaqué. Sorti dehors. De son corps, de sa vie, de son entourage, jeté, craché par terre. Oh, fais-toi-en pas. On va t'en placer du 4x4, plaqué. Ouais, comme tu l'as été par ta femme. Plaqué. Sorti dehors. De son corps. De sa vie. De son entourage jeté, craché par terre. Ouais, arrête de pleurer. Jo, puis on va t'en placer du 4x4, plaqué. Comme tu l'as été par ta femme, plaqué. Sorti dehors de son corps, de sa vie, de son entourage jeté, craché par terre. Jojo. On va t'en placer du plaqué. Hey, on va te plaquer dehors, toi. Là, on va te mettre à l'extérieur. Oui, on va t'en placer du 4x4 plaqué. Comme tu l'as été par ta ouin. Oh, oui, ben oui. Ça va se savoir à la radio. Personne n'est au courant de ça. Là, tout le Québec le sait. Là. Ben, tout le Québec, premièrement, c'est les membres de CKRL. Deuxièmement, c'est les membres d'Errance Rénaldienne. De trois, c'est ceux qui sont capables de décoder le décodage. Mais quand tu t'es... Attends un peu, là. Quand tu peux décoder, nécessairement, c'est le décodage que tu décodes. Oh. Oh. Hey, lui, là, attention. Il a l'air d'un imbécile. Il a la coupe de cheveux d'un imbécile. Il a les lunettes d'un imbécile. Il a l'œil d'un imbécile, mais c'est pas un imbécile. Tous ceux-là, là, faut faire attention. Ils font partie de l'organisation du FBI. Ils prennent toutes nos informations, ils prennent des notes, ils ont des petits cahiers électroniques, ils sont directement à New York, aux États-Unis, à l'ambassade américaine aux États-Unis, au Pentagone. Hein? Esprit Saint. Au Pentagone, Esprit Saint. Même en haut, ils sont au courant, là, hein? C'est à quoi ça sert? Non, mais les gens se demandent, oh, c'est pour la coquetterie, les cheveux, c'est pour la coquetterie. Ben oui. Dans ton cheveu, là, il y a une racine. La racine est branchée directement dans l'ordinateur central. Non, c'est pas ta tête, l'ordinateur central. Là, c'est l'endroit où on manipule l'information, les connaissances, puis on les envoie à chacun, mais différemment. C'est pas ça qu'il y a le saut de... Pas le saut d'eau, là, mais... il y a le saut du village. Lui, on en met moins pour pas que tout le monde soit au courant qu'il y a une conspiration. Hey, imagine-toi, tout le monde serait au même niveau. Là. Donc, niveau A1, oui, c'est plutôt B2 ou betterave quand ça va pas très mal. Mais Marinée, elle est une bonne chanteuse, hein, Marinée. Très bonne chanteuse, Marinée. L'autre, c'est un peu moins bon. C'est qui, ça, Marie? Marie-Juin, c'est de la main. Puis avant ça aussi, c'est pire. Donc, l'information est décodée. Moi, je vous dis, là, les gens qui sont chauds ont tout compris. Après, on n'a plus rien, là. Puis il n'y a plus de racines, il n'y a plus rien. Alors, ils peuvent faire n'importe quoi. Les femmes, là, coupez-vous les cheveux. Demain, là, directement. Prenez rendez-vous chez la coiffeuse. Laissez un message ce soir. Là. Il est 00h15. Là. Appelez votre coiffeuse préférée. Elle doit avoir un répondeur, elle, là. Elle a les moyens financiers d'avoir un répondeur. Au prix que ça te coûte là, pour te faire couper les cheveux, ma belle Sandra, là, hein? Ton beau gros cheveu gras, là. Hein? Comment t'as coûté? 45$. Pourquoi? Pour
Oh, les mèches! Juste couper les mèches, mon Dieu Seigneur! Je pense qu'ils ont coupé quelques liens de la matière grise. Ouais. Ok, Monsieur le Président. Monsieur les patrons catholiques, Madame les voluptés, vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone et rance-canadienne. OK. Non, on laisse ça comme ça. Moi, je... Bon, ben écoute, prends tes choses, là. Puis on va revenir au début. Non, prends tes choses, on va en prendre du 4x4, nous autres. Hein? Vas-y, mon petit neveu numéro 3, là, puis on va t'en taper du 4x4. On va t'en taper, plaqué, comme je vais l'être ce soir, là, plaqué par elle, là. Sorti dehors de son corps, de sa vie, de son entourage, jeté, craché par terre. Ah ouais? Ah ouais, juste pour des cheveux. Là, c'est même pas sur mon orientation politique, moi. L'avenir de mon pays, moi. Parce que ça coûte. J'ai réagi d'une manière rigolote à sa coupe de cheveux. Hey. Ah ouais? Ah ouais, c'est comme ça. Ah, mais c'est aussi insignifiant que ça. Ah hein? Ouais? Ben voyons, elle ne mérite même pas. Elle ne me mérite pas. Rita, hein, c'est vrai qu'elle regarde-moi. Ouais, je sais que quand je suis fâché, je louche. Ouais, mais regarde-moi le front, là. Ben, le troisième œil ici, là, il est ici. Il clignote, hein? Non, mais c'est ça que ça veut dire. Je suis contrarié. Quand ça clignote, je suis contrarié, moi. Puis c'est pas beau. Faut pas continuer. Faut pas me dire, ah ouais, t'es certain, parce que là, je deviens bleu. L'œil rougit ici, là. Devient comme bleu. Ce bleutâtre-là. Ne peut plus se contrôler, il sort de son orbite, il va attaquer, puis il y a un venin à l'intérieur, comme dans les serpents sonnettes, là, les fleuves, là, les serpents de fleuve, qui envoient des ovules, tu peux mourir. Puis moi, comme le serpent de fleuve, je ne sais pas à quel dosage je peux projeter, moi. Puis selon certaines, je projette pas mal. Alors, j'ai jamais dangé, monsieur le juge, j'ai jamais tué personne. À part quelques fourmis, j'étais couché par terre. Ouais, non, je ne cherchais pas mes verres de contact, je vais vous dire la vérité. Je sortais d'une belle soirée qui s'était étirée, prolongée. Comme j'écoute pas de hockey, j'étais peut-être rendu à 15e période. Il n'y avait plus de but, il n'y avait plus rien, le monde était parti. J'étais là. J'ai combien? C'est dehors. Ça va être écrit dehors. Ben oui, vas-y. Là, je longeais par terre le sol. Et tout à coup, ben c'est ça, là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Faut que je change ma vie. Faut que je me relève. Un peu comme au début de l'espèce, là. Au début, tu étais courbé, après ça, pring, tranquillement, tu t'es remonté. Pring, t'as connu le ressort. Dites-moi, je m'en vais travailler. Je m'en vais chasser. Là, ta femme t'attendait. Là, elle préparait l'eau bouillée depuis déjà 3 semaines. Je l'attendais. Mon cœur était plus glacé que l'hiver. Jour après jour. Ah. Là, elle te voyait au loin arriver. Là. Bredouille. Elle disait, hey, l'eau chaude qui bouge depuis 3 semaines. Je viens mettre dedans. Là, non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, j'ai des petits colibris. Des petits colibris, c'est pas ça qui va nourrir notre famille. Oh non, mais écoute, son gros dur. J'ai pas pris n'importe comment, là. Je pesais sa bédaine, ça faisait boing, 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 boing. Ça veut dire que le gras est tout à fait abondant. On va mettre ça là-dedans, on peut faire des petits crotons. On peut même utiliser ça pour la poêle, histoire de faire cuire le steak. Steak qui n'existe pas encore, là. Mais bon, allez chasser le steak. Au pire, je m'enlèverai un manque, puis on va cuire ça, hein? Je m'auto-cannibaliserai. Non, arrête-toi. Arrête-toi là, parce que si tu t'enlèves un membre, toi qui n'en as pas beaucoup, ils sont tout croche, je suis pas sûr que ce soit mangeable. Quoique tu es propre, là, tu te laves 2 fois par jour. Ça aussi, c'est un état mental étrange. Il faudra aller consulter. Pourquoi tu te laves 2 fois par jour? Il me purifie. Il se purifie. Ah, oh, mon Dieu, tu te purifies quoi? L'âme. Ben oui, c'est le corps que tu te laves. Le corps et l'âme. C'est pas une chanson, ça, le corps et l'âme? Le corps et l'âme.
Mais c'est quoi le pop-pop-pop? Ben, normalement, là, le budget voudrait que la trompette se présente là-dessus. Là. Pop-pop-pop! Mais comme on n'a pas de pop-pop-pop, on fait pop-pop-pop-pop. Pop-pop-pop-pop. Pas très beau, pas plus beau, mais composition vient d'être faite là sur le champ. Le champ de ma connaissance musicale et sonore, donc vous avez pu apprécier. Peuple, reprenez siège sur votre siège, reprenez votre paix, bon, assis péteux dessus. Bon, tranquille. Il y a des petites odeurs, là, puis pas très bon. Là, j'ai enlevé mes bas en même temps, là. Oh, là, 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 il y a un complot. Odorama. La guerre bactérienne, non, c'est pas bactériologique, nous, c'est Odorama. Ah, c'est pas cher chez Odorama, mais ça vaut pas plus, ça vaut pas plus. Tu rentres là, tu t'es crampé encore à quatre pattes. Ça me rappelait mon temps passé, là, passé à chercher mes verres, mais pas de contact. Les verres. Non, pas de terre. De terre, moi, ça, pff, j'aime bien ça me rouler, là, mais parce que je recrée la vie du cochon. Oui, ben en fait, ça m'a été cette pratique m'a été proposée par mon ami Jean-Claude Dreyfus. Monsieur Dreyfus m'a dit petit. Et là, j'ai dit, Monsieur Dreyfus qui dit petit. Je vais te raconter les choses de la vie. Le cochon doit être béni. Béni. Rassemblez tous ces petits cochons. Ils sont bénis. Béni. OK. Et ensuite de ça, il faut honorer le cochon. Ben voyons donc, toi, ma femme m'a lâché à cause de ça. Non. Et lorsque tu mangeras ton cochon, faut pas être trop gourmand. OK. Faut pas le faire cuire trop longtemps parce qu'il n'aime pas la chaleur. Oh, c'est moi, Seigneur, c'est merveilleux, madame. On peut-tu prendre la bavette? La bavette. Oh, mon, la belle bavette. Bienvenue à la douce finalité, à l'histoire finement improvisée, avec votre magicien du surréalisme, Reynald Leniang-Gagné. À quoi bon? Je croyais faire éternuer. Hein? Non, c'est parce que je voulais reprendre mon souffle et je voyais plus clair. Ça m'arrive de plus voir clair. Comme là, pas plus clair, pas plus rien. C'est clair que je vois plus rien. Hein? À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Reynald Lenéant, gagné. On est rendu à l'autre page, ça va vite la vie, hein? Et on se réveille, puis c'est déjà le temps de se recoucher. Ah! Oh, surtout dans ton cas, je vais te dire une chose. Non, deux choses. Je vais te dire deux choses, peut-être trois. Ça va bien, là, ça sera toute une phrase avec 25 mots. OK, allez-y, 25 mots. Je suis dans l'impossibilité. Non, ça, c'est ici, là. Je suis, ça, c'est deux. Dans l'impossibilité de te dire en trois mots ce que je peux te dire en 10 mots. Là, dis-moi, ça fait 8 mois, dis-moi, 12 mois. Comment compter les mots en les disant? Les écrire, c'est plus facile. Là, oralement, c'est pas très bon. Là. Puis surtout, ça fait des pirouettes. Les gens sont là pour juger. C'est facile de juger. Essayer de comprendre, c'est plus complexe. Hein? Tu vois passer des gens dans la rue, là, tu dis, hey, as-tu saute? Oui, on juge, là, de dire, ah, oh, oui, OK. Ah, il a été malade. Bon, il s'en est quand même bien remis, hein? Je sais pas pourquoi je le traitais de même avant. Je savais pas sa vie, je le connaissais pas. Ben, c'est juste pas si tu connais pas. Ok, non, je jugeais pas. En fait, je donnais une appréciation. Moi, j'étais un ancien juge des Jeux olympiques. D'un sur 10. Comme là, ta chevelure, toi, d'un sur... On revient d'un cheveu, là. On aime ça venir d'un cheveu. D'un à 10, là, moi, je te mettrais un 5. Bon, parce que ça, c'est pas à cause d'une maladie, ces cheveux-là. Quoique ça aurait pu être capillaire, là. Capillaire. Puis la capillaire. Les cheveux capillaires. Capri, c'est fini, ça n'a rien à voir, ça. Non. Ben, c'est une chanson, là, du chanteur. Chanteur. Moi, j'aime ça, les chanteurs, chanteurs. Moi, les chanteurs qui chantent pas, chanteurs. Hervé Villard. Capri, c'est fini. OK, c'est fini. OK, on arrête ça, là. Si vous avez vu le film où Jeanne Moreau personnifie Marguerite Duras,
dans cet amour-là, il y a cette chanson. Je n'oublie jamais le jour où on s'est connu. Je n'oublie jamais. Hey, on pourrait faire avoir un pom-pom-pom, s'il vous plaît. Un, deux, trois. Je n'oublie jamais le jour où on s'est connu. Je n'oublie jamais le jour où je t'ai vu sous le soleil couché. Il y avait un nuage. C'était toi qui me disais, retournons à notre naufrage. Capri, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah, c'était beau, hein? Non, c'est fini. C'est pas très cher, l'album sera vendu demain. 50 cents, 25 cents, 10 cents. On va le donner, on va le donner avec une petite feuille là, qui vous expliquera pourquoi on a coupé ce cours. Et on s'excuse impunément auprès de Didier Auvard. Non, c'est quoi? C'est le chanteur, là? C'est Capri, c'est fini? On n'oubliera jamais le jour où je t'ai vu. Je n'oublierai jamais le jour où je ne t'ai plus vu. Faut dire que j'avais enlevé mes lunettes. Je m'étais dévissé la tête. J'étais plus moi. Et toi, tu étais toi. Capri. C'est, non, le silence. Tout le monde était prêt. Il va s'envoler. Ben, c'est beau, hein? Ça, c'est le moment d'émotion. Tu ne sais pas pourquoi que ce refrain revient toujours. Tu ne sais pas pourquoi qu'après la nuit, c'est le jour. Tu ne vois pas c'est qui. Il sonne à la porte. Tu vois là, il rentre. C'est lui, c'est pas moi. Cap! Ah! Oui, je suis bon pour les succès! Là, vous vouliez la monter, là? On va la monter. On la monte-tu, Rita? Les gens changeraient de poste? Ben non. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas pourquoi cette eau ne coule plus. Je ne sais pas pourquoi tes larmes ne sont plus. Pas pourquoi. Ben, si tu sais pas, arrête-toi. Là, moi, des gens qui se questionnent dans la vie puis en chanson. Là. Aujourd'hui, le vendredi 22 novembre 2013, l'errance, les réserves, Aujourd'hui, le vendredi 22 novembre 2013, Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité. Hein? C'est réalité, oui, ça... J'ai mal écrit. J'ai mal écrit. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Zaza Fournier. Zaza Fournier est une chanteuse de pop française née le 9 novembre 1994. Donc, c'était sa fête il y a quelques jours. Elle s'appelle Camille. Zaza est un pseudonyme né à Paris, pas son pseudonyme, mais Zaza, ou Camille Fournier. Née à Paris, grandie dans l'Oise, étudiante en théâtre, Zaza Fournier, auteur, compositeur, interprète, a étudié le violon avant de s'essayer à l'accordéon à l'âge de 19 ans. On l'attendait... Alors, on l'attend, là. Elle s'en vient. Ah, elle est là. Bonjour, Zaza. On l'attendait en chanteuse gouailleuse et joyeuse. Comme Charles Trenet. Non, c'est Goyeuse. OK, Goyeuse, oiseau de trottoir parisien de l'après-guerre. Mais voilà que dans ses pérégrinations... Je l'ai préféré, celle-là, hein? Pérégrination, c'est facile à dire. Combien sont ces six ou six sont six? Ces six ou six sont six sont six sous. Pérégrination. Zaza s'est fait accompagner par l'intégrale des chansons de Roy Orbison, l'auteur de Blue Bayou. Blue Bayou, guitare et interprète majeur des années 60. Zaza a aussi écouté Christophe, époque d'Aline.
Et j'ai crié. Crié et... Aline. Aline, viens ici, Aline. Aline. Viens, il y a quelque chose à te dire. Premièrement, Aline, ne t'en va plus. Reste avec moi. Je t'aime, je t'embrasse, je te marie, ainsi soit-il. Ensuite de ça, Christophe époque Aline et les Paradis perdus avec leur prose de teenager culotté et leur dose de vague à l'âme parce que c'est 15 ans où ce que l'on reste est beau et rare. Comment qu'est-ce que tu dis? Oh non, elle a dit, Zaza, que c'est 15 ans où ce que l'on ressent est beau et rare. C'est vrai qu'à 15 ans, ça bouillonne à l'intérieur de nous. Et puis, donc, en juillet 2013, Errance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime artiste. Un voyage chargé pour cette nuit presque hivernale. Mais là, c'est automnal. Là. Actuellement, là, c'est l'automne. Non, il y a une autre feuille qui est tombée. Il y en a de moins en moins. Hein. Normalement, il y a la neige qui m'a tué. Il y a quoi? La neige. Lâche-moi la neige. Faut-il s'arrêter ici et laisser le générique nous envoûter? Il nous a envoûtés. Hein? Tantôt, là, j'ai pleuré depuis 3 semaines avant le générique parce que je savais que c'était chargé d'émotions. Juteux à soi. Et qu'à un moment donné, tout ne peut pas se retenir en un seul homme. Donc, on doit se plier à nos émotions. Alors, place à l'émotion, comme je disais, place au mot, place au lyrisme rénaldien, bref, place à l'envoûtement et en avant, la saisie. CKRL. Cultive tes goûts.